monde veut aujourd'hui devenir communicateur, mais sans éthique, c'est un véritable poison à la communication. Ed Chevry Diaz l'a bien dit ce lundi à l'ouverture de la Formac. À l'ère du Verseau, tout le monde presque veut et peut être journaliste, influenceur, communicant, créateur de contenu. C'est bien. Mais sans éthique, sans déontologie, sans maîtrise des techniques d'écriture et de présentation, sans connaissance des critères d'une information ou de la différence entre une information et une rumeur, sans acquis des règles de l'art de notre métier, c'est le désastre et le chaos, c'est l'hécatombe. Le constat est sans appel et il suscite une révolution. La révolution, elle vient du studio D110 qui, depuis 4 années, s'emploie à donner les formations aux jeunes Congolais dans le domaine de l'audiovisuel et de la culture. 50 participants à cette 4e session de formation au métier de l'audiovisuel et de la culture, sélectionnés après avoir dûment répondu à l'appel à candidature par voie électronique. L'objectif pour nous étant de faire entrer amateurs et professionnels des médias de plein pied dans le journalisme mobile, le Mojo, qui est le futur du journalisme. Pour lancer cette 4e édition, c'est la directrice des programmes de la télévision nationale qui s'est présentée en lieu et place du directeur général de Télé-Congo empêché. Pour tous ceux qui s'intéressent aux avantages de la formation professionnelle et à la préparation des carrières, voici donc une opportunité qui vous est offerte. Chers apprenants, ne soyez pas de simples figurants, s'il vous plaît. Nous vous appelons à la l'assiduité, à la détermination et surtout à la curiosité pour mieux intérioriser ces connaissances qui vous seront partagées par ces éminents formateurs. Ces formations de 2 semaines sont basées sur l'éthique et la déontologie journalistique, le montage vidéo, le JRI, comprendre et réussir une interview. Moi, je vous encourage dans cette formation l'utilisation de nouvelles technologies et de maîtrise de la nouvelle donne est très importante pour développer vos compétences en tant que journaliste, parce que je sais que ce n'est pas seulement les débutants, mais également les journalistes maturés qui vont étudier. Et je vous encourage dans cette volonté. Les participants suivront des communications basées sur plusieurs modules, notamment l'éthique et la déontologie journalistique, le montage vidéo, le journaliste reporter d'images, comprendre et réussir une interview. Il y aura également des masterclass sur la présentation du journal télévisé, médias et réseaux sociaux, ainsi que les cadres du reportage culturel.